Et coucou tout le monde, coucou le Kino, coucou Alexis, coucou Coca. Le coucou toute seule, il était déjà prêt Kino, rassure-moi. T'attendais juste pour faire entrer là. Je ne vois que ça. Ou alors tu écris à une vitesse fulgurante. J'attendais 2 secondes parce que depuis le moment où j'allais me démute, tout le quartier avait décidé de vous souhaiter la bienvenue, je crois. Voilà, on verra bien si ça se calme. Sinon, je fermerai. Voilà, voilà. Bien, on va bidouiller cette antenne. Bon, comment vont les gens qui sont là? Oh. J'ai créé une vitesse fulgurante, mais là, c'était préparé. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais, Quinoa. Alors, ils sont endormis avec la musique pour de vrai, les autres? Incroyable. Comment va la musique, Kinou, du coup? Petite Kinouette. Je me demande si je la mets à ce cran-là ou à ce cran-là. Nickel. Donc je la remets comme elle était. Comme ça. Voilà. Voilà, j'attendais que Robert le camionneur soit passé. Parfait. Bon alors, bidouillage antenne déjà. Mais on les a vraiment perdus en route, le Coca et le Alexis, là? C'est une blague? Comment ils ont fait pour s'endormir aussi vite? Je bats des records, là. Alors, bidouillage antenne. Tac. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Bon, comment va Jean-Mi, Kino? Raconte-moi. Tu vois, pas besoin d'acheter de... Ouais, c'est clair, il n'y a pas besoin. Une petite musique, hop, tout le monde est endormi. Ça va, il fait du frais. Bon, bah écoute, t'es content? T'es content, Quinoa, t'es content? J'espère. J'espère que tu es content. Bon, on va se regarder l'épisode en tête à tête, je crois. Tac. Ouais, je suis content. Intérêt, intérêt. J'ai pas regardé ce qu'il y a eu l'annonce. Ouais. Visiblement oui, l'annonce a fonctionné. Ah, re Coca, je crois que tu t'étais déjà endormi. J'allais dire j'ai battu un record. Ça va, je fais aller. Petite forme aujourd'hui, mais bon. Voilà, ça va aller. Ça va aller. Coucou Nicoco. Hop, ouais, non, bah il y a eu l'annonce, c'est bon du coup. J'ai vérifié ce que je voulais. Hop, hop. Bon, et du coup, comment va Coca? Comment va Nicoco? Ça fait calme. Très bien. Est-ce que ça veut réellement dire quelque chose, Nicoco? Je ne parle pas cette langue. Comment? Estan, comment ça? Mais il avait prévenu Kino. C'est pas que c'est un branleur, c'est qu'il peut pas s'en occuper avant dimanche. Il l'a dit sur le dernier live. Remarque, t'étais peut-être pas là. T'es peut-être arrivé après. Il y a moyen que tu sois arrivé après qu'il l'ait dit. Oh le mec. Bah le mec a un travail et une vie. Et il fait ça déjà gratuitement, gracieusement et gentiment. Donc ça attendra dimanche. Voilà. Une vie. Ouais, c'est un truc. Je vais manger une salade de haricots, putain. Ah oh là là, Coca. Putain, tu me vends du rêve là. Du coup, ça veut dire que tu vas faire l'usine à gaz pendant tout mon live. Heureusement que je le sens pas. C'est cool. Non, c'est pas grave, hein. Pour une phrase comme ça, ça méritait des majuscules. Moi, ça va, bon. Vie, 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 c'est quoi ça? Je sais pas. Un truc. Pareil que c'est sympa. Je sais pas, moi. J'ai essayé, ça m'a pas plu. Voilà. Soit.
On va se lancer. C'est surfait. C'est surfrais. Avec Roger, c'est surfrais. C'est nul à chier comme blague. Je mériterais presque de couper le live. Voilà. Encore une mode, ça. Ah, peut-être. Hein. Ils sont tous morts en chat aujourd'hui. Il y a moyen. Coucou Sully, bonsoir. Bon, en fait, je ne reste pas aujourd'hui, mais au moins, je peux vous souhaiter un bon live. Et eh ben, c'est très gentil de ta part de passer ne serait-ce que pour souhaiter un bon live. Moi, je trouve ça adorable. Voilà. Et puis, c'est pas grave si tu peux pas rester. C'est la vie, c'est comme ça. C'est déjà super gentil de passer faire un coucou. Voilà. Je suis mort aujourd'hui. Mais je suis pas en top forme non plus, Nikoko. Voilà. Je suis très calme et très posée, on va dire, là. Ça vaut mieux. Soit. Bon, j'espère qu'ils vont arrêter tout le bordel dehors, là. Si, ça m'arrangerait. Pour quand on va lancer l'épisode, être tranquille. Non, mais... casse-pied. Vous me ferez penser à couper la musique. Hop. Je regarde. Non, c'est bon, elle tourne. Parce que sinon, je vais l'oublier sur l'épisode, je le sens. Je le sens fortement, même. Bien, si tout le monde va bien. Est-ce que vous êtes assidus et vous pouvez me dire où vous s'est arrêté la dernière fois? Moi, je sais. On va voir. Et sinon, bah, c'est moi qui le dirai. Si vous étiez endormi à la fin du live et que vous vous en rappelez pas. Je sais que Coca, il a manqué de s'endormir 2-3 fois. Il a tapé l'écran, le clavier, il m'a dit, mais peut-être qu'il se souvient. Allez savoir. Moi, je sais pas. Je sais même pas, est-ce que t'étais encore là à la fin? Coco, ça a coupé un peu brutalement d'ailleurs, ouais. On a eu une déco et du coup j'ai fait les bisous sur le chat et j'ai pas relancé juste pour le bisou. Voilà. Quinoa, il sait plus. Ah bah bravo, Quinoa. Non mais bravo. Oh là là, c'est quoi ces gens? Vous vous souvenez pas? Moi, je vais vous dire, hein, ça va être rapide. Hein. Tu venais d'entrer dans l'autre... Voilà, alors. Presque. Ça a coupé sur Chloé qui ouvre la porte. Et qui laisse d'ailleurs les clés sur la porte. Nice technique. Je crois que d'ailleurs, je le dis au début de l'épisode. On va voir si ma mémoire est bonne. Mais voilà, c'est ça. On entrait dans le dortoir des mecs pour aller dans la chambre de Drew. Pour aller récupérer de l'argent pour Franck qui nous avait demandé. Voilà. Ah oui, exactement, voilà. On en était là. Du coup, on va se lancer. On va se lancer et puis on va voir si on a des choses à raconter. Ou si on est tout sage et qu'on s'endort devant l'épisode. Voilà. Alors, je vais switcher. Je coupe la musique tout de suite avant de l'oublier. Chute la musique. Coucher la musique. Parfait. Hop. Et je switch d'affichage. Ah, le gros camion qui va passer pile maintenant. Ils se sont donné le mot ce soir, hein. Alors, est-ce que la route, ça vous perturbe? Ou pas du tout, ça va, ça s'entend vraiment qu'en fond? Dites-le honnêtement, il n'y a pas de souci. Hein. Non, Balek. Ok, nickel. Coca, un mec bien. Moi, j'aime bien ta philosophie, Balek. Je trouve que c'est plutôt fun. T'as bien raison, Coca. Allez, hop. Tac, visionnage. J'entends pas, perso. Bon, bah, tant mieux. Hop. Tac, j'ai l'habitude, moi. T'as l'habitude, pourquoi? Toi aussi, t'as du bruit, t'as une route près de ton chez-toi, et quand la fenêtre est ouverte, t'entends la route, Nikoko. C'est ça? Si c'est ça, tu as tout mon soutien, hein, je tiens à te le dire. Parce que c'est absolument infâme et insupportable. Mais bon. Yep, c'est ça, ouais, d'accord. Ah là là, c'est assez horrible, je dois dire. Moi aussi, j'ai l'habitude, du coup, maintenant, mais c'est pas pour ça que je trouve ça agréable. Ça n'a pas changé. Soit. Alors, j'ai remis le volume comme la dernière fois. En théorie, on est tout bon. Je vais lancer l'épisode. Et puis, on va voir. Allez, hop. Tout est bon. Épisode 12 changé. On a été bien au 12, normalement, si je dis pas de bêtises. 10, 11, 12. On est au 12. Tout est bon. C'est parti. Et pause, comme d'habitude. Et pas de spoil sur ce qui va arriver après, comme d'habitude. Bon, après, j'entends dans le Before the Storm, parce qu'on a dit qu'on pouvait parler de Life is Strange. Et Life is Strange est après. Donc voilà. Mais on s'est compris, vous êtes des habitués, de toute façon je vous fais confiance. On y va, c'est parti. Alright, which one is Drew's room? Oui. Alors laquelle est sa chambre? Et GG Chloé, franchement, d'avoir laissé les clés sur la porte. Ok.
Alors, drink, drink. Drink, drink. Un. Alors ça, c'était la première alerte. Bulletin d'information incendie. Surveillance des incendies d'Arcadia Bay. Arcadia Bay. Bon, ok, ça, c'est toutes les infos du jour. Incendie parc national de culmination maîtrisé à 50%. Oh la vache. Seulement. Nouvelle fermeture de route. Consultez les médias locaux. Oh, punaise, c'est pas le petit incendie, hein, en plus, hein. Vache. Bon. Oh, j'ai tellement pas envie. Doubt I'll ever see my name on one of these. Coucou slogan. Too many chances to screw up before senior year. Très bien. Bon bah parfait. Drew est en 110. Faites voir les autres. Tu triches, Coca. C'est normal, Maren, l'épisode est commencé. Idiot. Ça, c'est marrant en plus. Vous avez vu, c'est 104, 105, c'est le clan des friendzonés, les pauvres. Ils les ont mis ensemble. Comme quoi. Justin, Aiden, Zachary, Trevor. Je m'en rappelle pas ce que je viens de dire. Ceux qui étaient déjà là. D'ailleurs, il n'y a pas Nathan là du coup. Mm-hmm. C'est quoi cette musique? Ça fait bizarre. Bien. Promenons-nous. Alors. Could Elliot be lamer if he tried? Très bien. Je peux rien faire? Non. Porte. Ah. Oh là là. La 105, c'est... Attendez. Non, non, attendez. Si la 105, c'est bien Elliot et pas Warren, je vais pas aller dans sa chambre s'il est là. Doubt I'll ever see my name on one of these. Too many chances. Ouais, ça, j'ai compris. Oui, donc c'est la chance. Ça, c'est la chambre d'Elliot. Mm-hmm. Bon, on va faire un tour déjà dans le couloir. Hein. Ah, ici, il y avait une photo. Je me souviens. Oui, je parle encore du premier lys. Hop, rien du tout. Petite pause, moi, alors, le clan des friendzonés. Oui, c'est à peu près ce que j'ai dit parce qu'ils ont mis Elliot et Warren à côté, voilà. Elle peut pas dessiner ici sur le tableau. Mais Coca, est-ce que t'as vu possibilité de dessiner dessus, là, déjà? Et en plus de ça, je suis pas convaincue que dans les possibilités, ça y soit. Mais écoute, à voir, on sait jamais, peut-être, par la suite, je vais pouvoir dessiner un pénis sur l'ardoise. Je sais pas, on verra bien. Voilà, bravo les petites billes, on parque les friendzones dans un coin, je vois le genre. C'est pas moi qui ai fait le plan, hein, qui doit. Hein. La chambre à Max en jeu, c'est la chambre à qui? Alors, en vrai, ça, c'est le côté garçon. Du coup, je me fail quand je dis que la photo, elle était là, parce que c'est du côté des filles, normalement, qui a la photo. Et du coup, la chambre à Max, en théorie, n'est pas là, puisque c'est le dortoir des garçons. Je viens juste de tilter que quand je vois la fenêtre, je dis « Ah, mais là, il y avait la photo dans le 1, mais pas du tout, en fait, c'était dans le dortoir des filles. Faut arrêter la moquette, les filles. Hein. Ça va pas bien. Hein. » Non, mais je sais pas. Hein. Après, faut dire que c'est tellement... c'est des dortoirs... Les bâtiments, c'est des miroirs, les trucs. Hein, Mais c'est pas moi, ni Coco. C'est Coca qui me demande ça au-dessus, alors moi, je lui réponds. La moquette, oui, voilà. Écoutez, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et ça se ressemble, les bâtiments sont les mêmes quasiment, mais bon. Soit, en tout cas là on est chez les mecs, voilà. Hop, on n'est pas allé chercher Drew chez les filles, il paraît. Après peut-être, hein. Voilà. I wanna say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it's justement, on en parlait. Awesome over the counter. Très bien. Alors... Conseil d'administration de Blackwell, Fondation Prescott, Bureau du procureur d'Arcadia Bay. Le conseil d'administration pardon, de l'Académie Blackwell tient à rappeler aux corps étudiants que, bien que la légalisation de la marijuana soit actuellement à l'étude au niveau local, l'utilisation de marijuana et de produits dérivés de marijuana est à l'heure actuelle illégale tant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. Les peines applicables seront toujours. Mais j'ai rien fait, moi, Nicoco. Je fais lire l'affiche. Une possession de marijuana sur le campus de Blackwell. Très bien. Ok. C'est pas moi, c'est Chloé. C'est bien ce qui me semblait. Photo. That is really
gross. I wonder what Max would think. Décomposition cérébrale par Nathan Prescott, c'est à gerber. Nathan est vraiment un sale type. Encore une chance que ça ait pas été une banane. Très bien. Mais oui, mais Nathan, il a pas de chambre là. Hein. J'ai pas vu de. J'essaye de lire vite fait ce qu'il y a sur le. Très bien. Donc ça, c'est la chambre de dos. Yep. Definitely Drew's room. Frapper. Bah, c'est bien le slogan. Ok, ici. Pas. Rien du tout. J'hésite très fortement à aller faire un tour dans la chambre d'Eliott. Alors, parce que je suis très curieuse, certes. Mais j'ai peur que. En fait, j'espère qu'il n'est pas là. Elliot Hampton's room. Wonder what he's up to right now. Ma fille, à mon avis, il est là. Oh, écoutez, on essaie. Hein. On verra bien. Il avait qu'à fermer sa porte. Voilà. Encore que ça m'empêchera de rien, mais... Il semblerait que non. Il est pas là. On va oui, c'est pas faux, slogan. C'est loin d'être faux, même. Une petite fouineuse. Alors... Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does. Vous avez pas vu déjà sur son ardoise à l'entrée à Elliot ce qu'il avait écrit? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? I knew Elliot did well in class. Après Gandalf, vous l'avez vu où là? En vrai, moi je l'ai pas vu. Académie Blackwell, le futur a besoin d'excellence. Elliot Hampden. Si, si, mais c'est drôle. Je n'ai pas vu le tableau de. Ok. Cher Elliot, j'ai le plaisir de vous informer que votre prestation académique et votre statut d'aide financière remplissent parfaitement les conditions nécessaires au renouvellement de votre bourse. La fondation Prescott couvrira par conséquent tous vos frais de scolarité ainsi que la pension complète pour le semestre de printemps. Coucou Azrox. Ouais, ça fait un moment. Comment vas-tu? D'accord, félicitations pour votre réussite académique, sincères salutations Raymond. D'accord, ouais, je ferai attention Coca, si je repasse à côté. J'ai même pas fait gaffe, je m'en souviens c'est pas bien, en plus pour être honnête. En train de fouiller sa chambre. J'espère qu'il va pas nous... Nous surprendre. De zut, Kino. I've never been able to get Elliot to play for me. I guess he's either really good or really bad. Très bien. Ah, qu'est-ce que c'est? Je voulais voir ce que c'était. Contrôle noté, biographie, tiroir, ordinateur. Est-ce qu'on a des choses en hauteur? Oula! Là, sur les étagères? Non. Petite figurine, j'aime bien. Alors. The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Why does that make me sad? L'endroit de la fracture, une biographie d'Ernest Hemingway. Le monde brise les individus et après coup certains deviennent plus résistants à l'endroit brisé. Bien. Oh, c'est pas horrible comme lecture, loin de là. It's been so long since Elliot and I actually went to a concert together. Ah oui, mais tu l'as rembarré. C'est un ami, c'est un ami. Il faut pas que tu pousses trop, cocotte. Faut lui laisser du temps. Tu vas lui briser son petit cœur, là, déjà. Tiroir ordinateur. Bon, ça, je vais le faire, c'est sûr et certain. Petite pause. Alors, oui, désolée, j'avais pas le temps de venir. J'avais mes études, mon permis et maintenant le travail. Tout s'est enchaîné, du coup, j'étais pas là. Mais bonne nouvelle, j'ai eu mes diplômes et mon permis. Mais il y a pas de souci, tu sais, Azrox, t'as pas d'explication ou d'excuses à donner. Et tu viens quand t'as envie et quand t'as le temps. Voilà, et ça fait plaisir, là, que tu passes. Puis en plus, tu avais de bonnes raisons de ne pas être là. Donc, bon, voilà. Ouais, Mikoko. Donc, ça fait plaisir, en tout cas. Et puis, ben, félicitations pour les diplômes et le permis. C'est plutôt cool. Oh, bon, allez regarder le contrôle. Elliot does work really hard. I guess I'm happy for him. Ah ouais, ok, LM, quoi. A plus. Sciences informatiques. Le mec je fais aller, comme toujours, Azrox. Je fais aller. C'est quoi qui avait écrit?
Lettre of the Bourse, d'accord, on l'a lu. Bien. Alors, à moins que j'aie mal fouillé et fouiné dans la chambre d'Eliott, je crois qu'on peut y aller. Là, ça va être le pire, je pense. C'est pas bien, ça. Alors. Petite pause. Oui, Azurox, mais surtout n'en dis rien sur le chat, parce qu'il s'affiche à l'écran et qu'il y a des rediffusions. Donc on spoil rien, parce qu'on fera certainement, si vous avez envie, la même chose sur Captain Spirit. Mais oui, je l'ai fait en entier, j'ai fait un let's play dessus, que j'ai tourné en live d'ailleurs, et j'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que je te dirai. Alors, OKLM. Parfait. Elle a finalisé ses achats d'organes, elle va poster sous la vidéo. T'inquiète. Très bien, Cocker. N'importe quoi. Bon, d'ailleurs, je dis rien, car j'ai pas eu le temps d'y jouer du coup. Ah, tu l'as pas fait encore. Eh ben, écoute, t'as bien de la chance. Je te souhaite bien du plaisir. Amuse-toi bien. J'espère qu'il va te plaire. Moi, j'ai adoré, en tout cas. T'as un autre fan sur le chat, Kino aussi, il a adoré. Voilà. Oh, j'ai vu, il y a une photo de moi, je crois. Enfin, une photo de moi. Je parle comme si, voilà, une photo de Chloé. Mais il me semble bien. Une femme qui vit le jeu, hein. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. À ton avis, pourquoi? Attendez, c'est quoi? Oh non, ça c'est mal. Oh, c'est mal, mais c'est tellement tentant. Guess I'm not the only one who keeps a diary. Non, c'est pas bien. Je regarde l'ordinateur avant et je vais Elliot's mom réfléchir. seems nice. La mère d'Eliott a l'air sympa. Cynthia, félicitations. Bonjour mon chéri, je viens de recevoir la lettre pour ta bourse. Je suis tellement fière de toi. Je l'ai montrée à toute la famille. Ta grand-mère a simplement dit, évidemment qu'il l'a eu. C'est mon petit-fils. Au fait, ton père a encore appelé pour le 4 juillet. Je lui ai dit qu'il était trop tôt pour lui répondre que tu te concentrais sur tes études en ce moment. Mais si tu veux passer du temps avec lui cet été, je serai d'accord, évidemment. Ne brise pas tous les cœurs du lycée, maman. Effectivement. Lucky Dana. Histoire de mafio, Elliot t'es anglais avec Dana Ward, non, elle est comment? Je la trouve trop bonne. Dis-lui quelque chose de cool sur moi, mais pas comme si je t'avais demandé de lui dire merci gros. Alors qui a envoyé? Logan. Bravo. Ah bah bravo Logan. Warren Graham is such a nerd. En vrai, ça se trouve. Alors attendez, je suis sûre qu'ils s'entendent super bien. Alors, les pires films de tous les Oui, à peu près, temps. Azorox. Tu À peu as près. Moi, j'ai mis vraiment tort. 3h30. Ed Mais après, Wood j'avais a mis fait du des temps aussi films sur le bonus. atroces, Moi, je j'avais te pris mon temps, l'accorde. Mais donc. il a Voilà. Tu sorti mettras tellement sûrement d'autres moins de temps que films moi. merveilleusement horribles après Plan 9 from Outer Space. On dit que c'est le pire film jamais réalisé, mais est-ce que vous avez vu Night of the Lepus? Une bande de zombies de l'espace, c'est rien, comparé à des lapins géants carnivores, non? Warren, très bien. Ils ont des conversations sympas. There's way less porn here than I would have thought. Qu'est-ce que c'est ça? Comme un nœud de cravate vidéo. Elliot Hamden, Arcadia Bay. Chloé Elizabeth Price, Arcadia Bay. Chloé Elizabeth Price. Oh mon Dieu. Situation, citation La Tempête. Billet La Tempête. Major. Illuminati Signification. Ouais, d'accord. Ça fait peur un petit peu quand même. Hein. Il cherche des trucs. Alors que c'est son ami, qu'est-ce qu'il a été chercher? Ce qu'on trouvait sur moi? Elliot, tu nous fais une fixette? Ça fait peur là. On va s'en aller, je crois. Je vais pas lire le journal, j'ai peur de lire des choses qui finalement vont me faire peur. J'hésite vraiment là. Et c'est tellement tentant. Donc vous savez quoi, on va le lire. Même si c'est mal. C'est bien parce que je suis dans un jeu, hein, parce que sincèrement, IRL, jamais je fais ça. Mais là, je suis tentée, et avec ce qu'on a vu sur l'ordi en plus, je me dis que si ça se trouve, on va découvrir des trucs chelous. Petite pause, voilà, hein. J'hésite à toucher au journal après avoir vu les recherches sur le navigateur. Je me dis que je suis peut-être tombée sur des trucs bizarres. Pour la 8e fois, j'ai fini les 7 fois-ci, j'y ai joué sur la version mobile. Ouais, j'ai vu qu'apparemment il était sorti sur iPhone. Je sais pas s'il est sur Android ou tout ça, mais j'ai vu sur iPhone en tout cas. Et ça donne quoi? C'est une question que je me posais franchement.
C'est pas étrange sur téléphone, sur un tout petit téléphone comme ça? Only iOS, je crois. D'accord. Ouais, j'ai vu. Je me suis même fait la réflexion que s'il n'était pas hors de prix ou quoi, ça aurait pu me tenter. Même si bon, je l'ai sur ordi, ça n'a pas grand intérêt, mais si t'as envie de te le faire, ouais, à un moment où t'as pas accès à un ordi ou quoi, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, je sais pas comment c'est géré, hein, franchement, c'est pour ça que je te demande. Si sur téléphone, c'est pas trop bizarre, mais. Mais j'ai vu, ouais, qu'il était sorti. C'est Alexis à l'époque qui me l'avait dit qu'il allait sortir sur téléphone, je crois. Je relance en attendant. Ça peut être intéressant à voir, au moins pour vous. Mais oui, je suis curieuse. Dans les jeux, je suis extrêmement curieuse. Et je me permets des choses que je ferais jamais dans la vie. Donc allons-y. That's not half bad. Lorsqu'elle a quitté la pièce, c'était électrique. Ses ailes écarlates tendues d'agonie. Okay, dark. Ok. Je vois son visage dans les briques et dans la pierre. Dans l'herbe fraîchement coupée, ses yeux brillants comme des pièces d'argent, je dis au passeur qu'il ne peut s'en emparer, mais les dieux ténébreux en rient. Petite pause, j'avais précommandé et joué aux deux premiers épisodes, et là j'ai fini quand j'étais dans le bus. Bah, c'est marrant et à la fois bizarre d'y jouer sur téléphone, mais beau graphisme, et pour 10 euros, je me suis dit pourquoi pas. Ah ouais, ils vendent quand même 10 euros le jeu sur téléphone. Ah ouais, moi je m'attendais pas à un prix comme ça. Hein. D'accord. D'accord. Après, je suis très curieuse, mais bon. Faudra voir. Après, je trouve ça un peu cher. 4-4 ans. Tu vois, la moitié passera encore. C'est plus proche du prix d'une appli, je trouve. 10 euros, c'est cher quoi, qu'après, il les vaut. Oui, bien sûr. Je dis pas que le jeu vaut pas son prix. Mais c'est quand même un portage téléphone, quoi. Tu vois? C'est ça qui me. Voilà. Je me permets de faire des choses que je ne ferais pas dans la vraie vie. 5 minutes. Ouais, s'il y a possibilité, je dessine un chip sur le tableau, coca. Mais pas du tout, je ferais pas ça non plus dans la vie, coca. Mais qu'il est bête celui-là. Ah, finesse. Bon, je relance. Ça marche, Azrox. Ça marche. Ouais. Who is it that Elliot's writing about? De qui il parle dans son poème? Ce moment quand le soleil s'apprête à poindre, la mer chaude et accueillante, quand ses rayons de lumière effleurent la crête des vagues, quand l'infinité froide et informe se conforme à un plan, désolé, et pendant un court instant, plus rien n'est impossible. Tout dit oui, mon cœur dit oui, ses yeux disent oui. C'est plutôt joli ça. Azrox. Elliot is way more artistic than I thought. Il la voit mais sans la voir, comment est-ce possible? Alors que le monde est négatif et sombre, et qu'elle crie, telle une fusée hurlante, laissant derrière elle une traînée de feu. Ok. Wait, are these about me? What the fuck, Elliot? Elle est tellement puérile, si adorable et si cruelle, sa dague noire faisant couler des mots. Dégouline d'encre. Pourquoi elle est persuadée que ça parle d'elle, du coup? Et on est au bout. Bon, bah ça va. On n'a pas trouvé de choses trop bizarres. Elle est sortie du journal. Je peux rien faire de plus. Tiroir. Ah. Fermé. Oui, on va peut-être le refermer, hein. Pas comme les clés qu'on laisse sur la porte, quoi. Une Voilà. femme traumatisée. J'ai pas vérifié si je pouvais faire quelque chose. Attendez. Sur le journal, par exemple. Le journal était pas comme ça, hein, je crois, J'ai Miss. dû avoir une déco du chat parce que je viens d'avoir un bienvenue sur le chat. Au cas où vous auriez Voilà. posté entre-temps, n'hésitez pas à reposter le message. Il se Regardez. peut que j'ai raté Were quelque those chose. poems really about me? I'm totally going to give Elliot shit for this next time I see him. Très bien, moi, elle en est persuadée. Hein. Bon, après, c'est vrai que oui. Mais c'est pas très gentil. Pourrait lui parler gentiment. Tu vois, je Non, suis on peut gentille pas. avec lui, Quinoa. Je voyais un truc fourbe, hein. Mais pas du tout.
Ok. Bon, messieurs, dames, je pense qu'on a bien fait le tour. Que c'est pas très très bien, d'ailleurs. Que finalement, on n'est jamais venu ici, hein, on est d'accord. On n'a fouillé dans rien non plus. Je vérifie. Alors, allons-y. Ah, c'est le tableau de dehors qu'on voit? Effacé. You've Ah. got to stop digging around and go search in Drew's room. Oui, bah, t'inquiète. Franck va péter un câble, mais on s'en fout. On s'en fout de Franck, allez. Alors, donc, mon conseil, Stéphane, et que tu as envie d'y rejouer à un moment où tu pars en vacances, bah, c'est un peu à ça que je pensais, en fait, justement, à ce broc. C'est pour ça que je te posais la question si c'était pas trop space d'y jouer sur un tout petit support, sur téléphone. Et aussi, comment c'est géré, tu vois. Enfin, les contrôles et tout, c'est pas étrange avec le tactile, c'est ça que je me demandais, moi. Ou en avion haute, et que t'as pas ton ordinateur, c'est toujours bien. Et pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur pour y jouer, oui, c'est vrai. Après tout. Après, il est sur console aussi, hein. Il est sur console. Donc, il y a quand même, là, pour le coup, quelqu'un qui veut y jouer peut, quoi qu'il arrive, quoi. Tu l'as sur tel, sur console, sur PC, t'es servi. Voilà. Sinon, je le conseille pas, car le premier épisode, mais après, c'est lassant, car c'est exactement le même, mais sur téléphone. Ouais, je vois. Faut être un gros fan du jeu, quoi. Oui, c'est vrai que ça, je suis très étonnée qu'il l'ait pas fait sous Android, en vrai. Parce que le jeu a quand même bien marché, donc c'est étonnant qu'il soit réellement dispo que sur un OS en fait, mais bon. Il est prévu, il me semble. D'accord, ok. Mais c'est tentant, tu vois, même j'ai beau l'avoir déjà fait, revu par plein d'autres personnes pour voir les autres points de vue de certains, etc., que ça m'embêterait pas de me refaire une game, et du coup, c'est vrai que ça peut être sympa sur tel. Bon, après, ce sera un peu abusé parce que, genre, j'ai un PC portable hybride sur lequel je pourrais y jouer sur Steam, tu vois, en vrai. Donc, est-ce que c'est réellement utile de le prendre sur téléphone? Je sais pas, mais c'est tentant, voilà. Moi, je suis un peu quand j'aime, je ne compte pas entre guillemets, tu vois. C'est les chevaliers de Baphomet, par exemple, un point and click que j'adore. Je l'ai sur tous les supports possibles et inimaginables. Je les ai sur Steam, je les ai en physique pour PC, je les ai sur console. Enfin, donc voilà, une collectionneuse un peu dans l'âme, c'est pour ça que ça me tente, j'avoue. L'avantage, c'est que t'as des petites émoticônes, du coup, lisses. Ah, ouais, sérieux? Ah, mais voilà, tu vois, là, tu me vends du rêve. Là, tu me vends du rêve. Faudra voir, je vais voir. Je vais voir. Je vais réfléchir. Ok, est-ce que je peux effacer aussi l'extérieur du coup? Oui. Ça va faire quoi si j'efface? Et Coca, D'accord. regarde. Ça, c'était fourbe. Ok. On peut taguer. Alors, hop, taguer. Elliot likes to write poetry about me, eh? What do I want to say in response? Non, pas chelou, c'est méchant. Poète, hein, on est d'accord. Emotional. Tu vois, Kinoa, je Loyal, suis gentille avec lui. Jusqu'au introverted, bout, je suis gentille, en vrai. odd, Je lui laisse le bénéfice and du doute. talented. Très bien. Et du coup, là, je peux plus rien faire. Je voudrais regarder. J'ai le droit? Je voudrais. Mince. Ça, c'était pas une nouvelle page. Ouais, on l'a déjà lu. Je veux juste regarder. Oh. Est-ce que j'en ai raté un? Ah, peut-être. Voix arrangée. On en avait parlé. Bon, bah écoutez, C'était dans verra la bien. cour, devant Peut-être alors. l'entrée du dortoir, dans le ciment. Ou je vois pas, Loupé. sincèrement, mais peut-être. Mais pas du Bien, tout. il est temps Pas du d'aller à un tout. Quel endroit espoir. auquel j'ai extrêmement envie d'aller depuis très longtemps, bien sûr. J'ai refusé les invitations. Qu'est-ce qu'on fait? T'exagères, Quinoa. Regarder, frapper, ouvrir. Juste, je suis pas méchante avec lui. Éventuellement frapper dans un premier temps, histoire d'être sûr qu'il est pas là. Je pense que c'est le mieux. Y a quelqu'un? Youhou! Ok, on va essayer un coup, au cas où il n'aurait pas entendu.
Là, mon frère était là, il m'aurait dit putain de roleplay, mais non, écoutez, après tout, il était peut-être, je sais pas, avec son casque. Bon. I've got to stop digging around and go search in Ouais, Drew's room. ouais. Ça vient, t'inquiète pas, les ennuis arriveront Putain bien de assez roleplay. tôt, j'en suis J'en sûre. étais sûre qu'il ne. I should probably just Ça take the aurait pu. money and get out of here. Ok. Je suis en train de fusionner avec mon fauteuil. Moi, j'aurais frappé avec le pied. T'aurais défoncé la porte, Nikoko, en fait, c'est ça? Ah, ah ouais, j'ai vraiment fusionné avec le fauteuil. Je suis collée dessus. C'est génial. Ah. Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Waouh, il y en a pas des choses ici. Hein. Qui c'est qui dort par terre? Il y a des figurines de jeux de rôle, je trouve c'est son frère en fait qui vient là. Ouais, bon, par quoi on commence? On va commencer par le côté, allons-y. Is the money in there? All right. Guess I have to crack a four-digit code. Ah, un code à quatre chiffres. Celui-là, il est logique, moi je trouve. Pas comme un, et je n'en dirai pas plus du coup. Ouais, t'as des emojis de Max, Chloé, Hot Dog Man, avec plusieurs émotions, le logo Illuminati, le papillon, le logo disant cette action aura des conséquences, et une emoji de chaque personnage disant un petit truc. Il y a 54 emojis. Putain, mais c'est trop bien. Eh bah, tu vois, tu m'as presque vendu le jeu là en vrai, Asbrox, parce que je suis une saloperie de collectionneuse kikou de merde en fait, et vu que j'ai adoré le jeu. Et que tu me dis que t'as tout ça quand tu le prends sur téléphone, forcément je vais craquer. Voilà, pour le coup, juste pour ça, les 10 balles sont worth. Ouais, ok, Jackie. Ok. Oui. Je triche pour les codes. Et alors? Oh, Nikoko, c'est pas bien. Non, je déconne, tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie de te prendre la tête à chercher le code, tu le cherches pas. Moi, j'aime bien fouiner, alors j'aime bien les chercher, les trouver toutes seules. Mais ouais, non, là, Asbrox, tu me l'as vendu le jeu, hein, je te le dis clairement. Hein, 54 emojis, c'est bon, hein, c'est jackpot. Hein. Ça craint. Oui, ben j'imagine, c'est trop sympa. C'est trop sympa. Bon, bah voilà, hein. Je crois que je vais prendre Life is Strange sur téléphone, hein. Bravo. C'est des malins, n'empêche, hein, hein, parce qu'ils savent que si t'es grave fan du jeu, tu vas craquer, c'est obligé. C'est chiant d'être une kikou collectionneuse, franchement, je vous le dis. C'est très chiant. Bref, allez, je relance. D'accord, un code à quatre chiffres dans la chambre. Bon, bah, on Oh, va trop bien, s'amuser là. Asbrox. Moi, je vous le dis. Arrête, arrête. Je coupe le Alors, live, je vais l'acheter maintenant. calendrier. I wonder exactly how important 516 is to Drew. Un dîner de remise de récompense de sport scolaire, BW. D'accord. Est-ce que ça va les prendre en compte une fois que j'ai lu les trucs? Ou va falloir que je les mémorise? Mais c'est bien parce Holy que comme ça, tu gardes shit, ton argent, toi, Drew. Nikoko. A C'est college l'avantage. scholarship? No wonder you're so into football. Ok, cher Andrew, j'ai l'immense plaisir de vous offrir une bourse sportive intégrale pour rejoindre l'équipe de football de l'Université d'État de l'Oregon. Nous sommes convaincus qu'un jeune homme doté de vos talents et de votre personnalité sera un excellent atout pour notre équipe, une dynastie du football qui produit des joueurs du NFL depuis des années. D'accord. Ordinateur, comique, post-it, Sympa dessin. Bon, on aussi, va c'est déjà commencer proche, avec mais cette je comprends. zone-là. On va voir, hein, Poster de Nikoko, on va voir. football. Tellement hâte, ça aussi. Look at 27 septembre. that. 27 Ouais, enfin, c'était un septembre. truc à quatre chiffres. Et là, il y en a beaucoup plus. Ça va être compliqué, tout ça, en fait. Au sol, est-ce que j'ai loupé des choses? Non. Ah, il n'y avait pas un truc sur le mur, sur les... Non. Rien du tout. Je vais aller de l'autre côté, il y a un peu moins de choses, j'ai l'impression. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Ouais. Ouais, moi je pars sur une combinaison de 4 chiffres, donc là 12-12 éventuellement. Vous pouvez rien regarder sur le mur là-bas? Bon, alors le dessin.
They look so happy. Pas de chiffres sur la photo. Bien. Alors. Un peu le bordel par ici, hein. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Effectivement, mais j'aurais aimé réussir à mieux m'en sortir, je suis sûre qu'on pouvait. We might have failed to kill you, Durgaron. J'ai perdu. Something tells me Mikey's not through yet. Les mythes de l'été, le labyrinthe meurtrier de Duragon. Ok. Bad guys don't usually look so obvious, but this is still awesome. Sergent Blood versus Maniacal. Ok. Awesome. Édition jurassique, Dr. Timebot. C'est des artistes hein, dans le jeu à chaque fois. Hein. Ils savent tous bien dessiner et tout, c'est abusé. Allez, hop. Je persiste. Okay. Ils savent tous super bien dessiner, c'est l'arnaque. Si jamais on reste bloqué, je referai un tour là-dedans, dans les dessins, je pense. Moi, je marche sur le lit, tranquille. Hein. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Oui, voilà, c'est bien ce qui m'avait semblé en arrivant, en voyant les figurines. Donc les comics, c'est bon, les... bon. C'est improbable, surtout. Combinations here. Bah... Ouais, ça doit être là-dessus. Oh là là. Département. Alors, petite pause. Improbable que tout le monde dans l'école sache dessiner, oui. Que ceux qu'on côtoie sachent dessiner, peut-être pas, parce qu'en fait, ils sont plus ou moins dans un... Il y a une filière art, il y a une filière photo et tout. Donc, si ça se trouve, ceux qu'on côtoie, ils sont là-dedans, tu vois. Donc, pas si improbable que ça, non? Il est où le mec genre Quinoa qui arrive à faire un bonhomme bâton? Ben, il y en a forcément. Qui c'est qu'on... Si, non, il y a quelqu'un... CDL, l'oublie pas. Ouais, en plus, t'es cette circonstance, parce que moi, Coca, j'ai fait littéraire option art plastique. Si, si, ça existe, hein, pour ceux qui vont encore me dire... Oui, enfin non, t'avais juste... Non, j'avais un coef aussi élevé en philo qu'en art plastique, moi, dans ma section L. J'ai vraiment fait un truc art plastique. Mort de rire, pareil, putain. Ah, enfin, quelqu'un qui connaît, parce que moi, quand je dis ça, les gens me disent... Oui, enfin bon, t'avais art plastique, quoi. Je dis non, non, j'avais littéraire option art plastique. Autant de coef qu'en philo, c'est pas comme tout le monde, hein. Non, non. Donc, si t'es dans une section un peu comme ça, c'est normal que tu côtoies pas mal de gens avec du talent, entre guillemets, parce que je pense que s'ils sont dans ce genre de section, c'est qu'ils soit ils y travaillent, soit ils sont déjà doués. Voilà, mais après, il me semble qu'il y a quelqu'un qu'on a vu dessiner, qui dessinait comme un pied dans le premier, non? J'ai un souvenir comme ça, mais alors après, je me gourre peut-être, je sais plus. Mais ah putain, Coca, et on a beaucoup de points communs en fait. Hein. La salade de haricots, le L option art plastique, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Ça se trouve, en fait, on était dans la même classe. T'es un ancien de ma classe. Ah, les arts, ce sont des options, donc pas obligatoires. Voilà, mais pour moi, ça l'était obligatoire. Et... Parce que je l'avais choisi. C'était pas une option. Bon, j'ai 19 ans, désolé. Bah ouais, moi aussi. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a, Coca? Pourquoi ça pourrait pas être possible? Mais ouais. Moi, c'était plus qu'une option. C'était trop le bonheur. Moi, j'ai adoré faire ça, en vrai. C'était trop bien. C'était trop bien. J'étais... En plus, j'avais pris un double truc chelou. C'est qu'en plus de faire option art plastique, donc avec un coef aussi élevé que la philo en littéraire, j'avais pris en troisième langue grec. Voilà, j'avais commencé au collège, j'ai continué au lycée à faire du grec, et je me suis éclatée, voilà. Et j'étais la seule de ma classe à faire grec. L'extraterrestre, bonjour. C'est pas grave, moi je me suis éclatée, voilà, c'est comme ça. 3615 my life, bonjour. Soit, je vais relancer l'épisode du coup. D'éducation physique de l'académie Blackwell, formulaire de décharge, étudiant 1, Andrew Norse, date de naissance 3 avril 92, Michael Norse, 27 décembre 1, vide, à contacter en cas d'urgence, Anthony Norse, père téléphone, je comprends que la participation de mes enfants au cours d'éducation physique à l'académie... Je l'attendais celle-là, oui, mais alors après, tu sais, je l'ai pas... Réellement, c'est pas... ce qui m'intéressait, c'était pas forcément de le parler.
C'est surtout de le lire, de savoir l'écrire, parce que c'est extrêmement joli à écrire, je trouve. Et aussi l'histoire, clairement. Parce que la Grèce aussi, en termes d'art, il y avait de quoi faire. Ça se rapprochait vachement de mon cursus, en fait. C'est pour ça. Puis bon, je te dis, comme j'avais commencé déjà au collège à en faire du grec et que ça m'avait plu, je m'étais dit, si jamais il y a possibilité au lycée, je continue. Donc voilà. Pourquoi ils font pas grec moderne? C'est vrai que ça pourrait être sympa aussi, mais vraiment, ça se fait pas. Parce que je sais que moi, il y en avait plein dans ma classe, ils faisaient latin. Mais bon, voilà, hein, latin c'est surfait, tout le monde fait ça comme langue morte à chaque fois, là. Alors moi j'avais dit non, moi je veux faire grec. Pour pas faire comme tout le monde. Et j'avais bien fait, j'étais seule. C'était bien, c'était le gros fun. Je crois pas. Il y a déjà allemand, faut pas pousser. Mais en plus j'ai fait allemand aussi en seconde langue. Moi j'ai pas fait espagnol, c'est pour ça que si vous me parlez en espagnol, je comprends pas. J'ai fait anglais première langue, allemand seconde langue et grec en troisième, voilà. Mais chacun son truc, hein. Moi ça m'a plu, hein. Pareil, allemand, anglais. Ah, t'as fait allemand première langue et anglais seconde langue? T'as fait le contraire, par contre, peut-être? Il y en a qui faisaient ça. Moi, j'en avais dans ma classe, qui faisaient allemand première langue. Mais bon, l'erreur, moi, j'ai envie de te dire vite fait. Pareil, j'ai commencé au collège, j'aimais bien. Arrive au lycée, en fait, j'ai une prof tellement nulle et chiante que ça a commencé à moins me plaire. Mais à côté de ça, voilà, je regrette pas. Oui, mais j'ai changé le jour du bac en mode balèque. Très bien. Le mode balèque, ça m'a l'air d'être ton credo, Coca. J'aime assez. J'étais en Belgique, donc j'ai fait néerlandais. On peut faire néerlandais en Belgique, sérieux? C'est rigolo. Après, ça a du sens, hein. Mais ok. Je savais pas. Je sais pas du tout ce que vous avez comme option et trucs obligatoires ou non obligatoires. C'est vrai que même les classes, c'est pas pareil. Ça se dit pas de la même façon. Je sais que c'est différent. Il y a deux langues en Belgique, ok. Mais c'est obligatoire de faire néerlandais, genre vraiment? Flamand aussi. Mais il y a une partie des Flamands qui parlent français en vrai, hein, Coca. Français et néerlandais, d'accord. Ok. Flamand, c'est néerlandais, ok. Oui, obligatoire. Ah ouais, carrément, c'est obligatoire. Ça, je savais pas, par contre. Ok. D'accord, mais tu vois, comme quoi, hein. Comme quoi. Mais nous, on a fait des choix chelous, hein. Ça, tu vois, c'est des obligations. Avec Coca, au final, je crois qu'on a fait des choix qui étaient pas du tout obligatoires. On a choisi des choses étranges. Moi, je regrette pas. Perso, je regrette pas du tout. Je suis très contente de ce que j'avais choisi et j'ai de bons souvenirs, donc voilà. Bien. Je ferme ma bouche. La partie wallonne français et la partie flamande néerlandais. Voilà, c'est ça. Effectivement. Après, je savais pas réellement que du coup, à l'école, c'était genre obligatoire, tu vois. Là, tu m'as appris un truc. L'académie peut comporter une part de risque. J'autorise par la présente le personnel et le corps professoral de l'académie Blackwell à suivre leur jugement en cas d'urgence et j'accepte tous les frais médicaux afférents. Ok, et là il y en a encore des chiffres. Ouais. Bon, alors, on va aller voir déjà. Ah, il y a quand même l'ordinateur. Oh, allez. Pas de raison. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Après tout, hein, le code est peut-être dessus. Hein. Alors, une offre femme qui ne officielle pense de qu'aux vos quatre études. chiffres. Cher Andrew, félicitations. Au vu de votre impressionnante prouesse académique et sportive, j'ai le plaisir de vous présenter une offre de bourse officielle. L'Université d'Oregon figure parmi les institutions académiques les plus prestigieuses du Pacifique Nord-Ouest. Nous sommes convaincus qu'un athlète de votre calibre a le potentiel d'avoir un impact fort et sur notre équipe et sur notre corps étudiant. En tant qu'entraîneur en chef, je suis ici pour vous assister et vous soutenir sur le chemin de la réussite. Veuillez trouver ci-dessous les détails de cette offre de bourse. Et on n'a pas la suite, d'accord? C'est lui qui a envoyé un mail à Chris Adam. Je Venez tousse, étudier. hop, petite pause, je tousse et je te lis, Asbrox, j'ai vu un pavé arriver.
Alors, c'est parce que les Flamands, ils ragent comme quoi ils disent qu'en Belgique, on devrait parler néerlandais et pas français, car on n'est pas en France. Décidément, ils ragent souvent les Belges, hein. Comme quand ils perdent en demi-finale. Ouais, oui, bon. Les Français aussi, ils ragent, hein. C'est pas propre aux Belges, voilà. Après, bon, apparemment, moi, j'ai pas trop suivi, mais apparemment, oui, ils ragent beaucoup par rapport à la demi-finale. Mais, voilà. C'est pas un prérequis pour être belge, la rage. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve qu'on peut se demander la même chose pour les Français, hein, franchement. Sincèrement. Mais soit. Sur ça, je crois qu'à Zbrock, ça a pas tort, parce que je te dis, j'ai beau pas avoir suivi, je sais qu'apparemment, il y a grosse polémique là-dessus, que les Belges, ils l'auraient vraiment mauvaise et qu'ils rageraient là-dessus. Alors bon, vu que moi, le foot, voilà, ben. Tout à fait. À Zbrock, en plus, c'est lui. Bon, mais comme ça, c'est avoué et dit. C'est pas grave, hein. Il y a des gens tirageux, après tout. Voilà. Non, les Français ragent pas, c'est juste des gros cons. Ah ouais, c'est encore mieux, ça, dis-moi. Cher Chris, je vous remercie de votre considération ainsi que de cette généreuse offre de bourse. Cependant, j'ai le regret de vous informer que j'ai choisi de m'inscrire à l'Université d'État d'Oregon à la rentrée. Merci encore. D'accord. Message original. Venez à l'Université de Washington. Ok. Il se fait démarcher de tous les côtés. Frank wasn't lying. Les Belges sont mauvais perdants. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Ça, c'est un truc que Uh-oh. je suis pas, moi, Ça, du tout. c'est plus en Donc, rapport avec l'école. Enfin, si, mais bon, j'ai voilà. presque du mal à Vu que comprendre. c'est On Zachary. joue, on joue, Alors, non? bon bec pour le Après, là, c'est vrai que quarterback. c'est. Eh mec, il te Je vais reste, être une dégage ton grosse parce mec. que c'est du jeu à gros level qui passe à la télé avec des salaires mirobolants. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des mauvais perdants dans le lot, tu vois, mais. Ça, ouais. Moi, je suis pas mauvaise perdante. Quand je joue, voilà, je perds, je gagne, voilà. C'est comme ça. Mais ouais, du coup, si tu dis qu'ils sont mauvais perdants, là, j'imagine que pour du foot, ouais, ça doit l'avoir mauvaise, effectivement. Soit. Bon, après, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense que tous les Belges sont pas mauvais perdants, ou tous les Belges ne sont pas des rageux, puisque j'en connais certains, et qui sont pas mauvais perdants ni rageux. Après, si, j'en connais d'autres qui le sont. Mais soit. La plupart des Français, ouais, c'est des gros cons. Alors ça, tu vois, encore une fois, ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Souhaite. Je suis méga mort. Je m'en suis pris une pour toi hier soir, t'as vu? Personne te plaque quand je suis là. Tu veux bien m'enfiler, il me faut juste quelque chose pour me calmer, bien. So many folks are shit out of Il luck parle de around here. chocolat? Pas du tout. At least Drew has some prospects. De Anthony North. Quel match, Drew, quel superbe match tu as fait. Et cette transformation au troisième carton. J'en ai pas cru mes yeux. Tu sais bouger, c'est certain. J'ai encore passé la journée à la bibliothèque. Comme Des tu le sais, bonbons? les Ah, ordinateurs, c'est c'est des pas mon bonbons, truc. Coca. Mais j'essaie Trop d'apprendre. bien. Maki m'a fait promettre de prendre ce cours de mise à niveau. Je vais le faire, voir si j'arrive à apprendre à taper autrement qu'avec deux doigts. Si j'ai jamais eu besoin de taper quoi que ce soit sur les bateaux de pêche. Ça. J'ai jamais eu besoin de taper quoi que ce soit. D'accord, il a fait des recherches. Ça m'a pris des lustres rien que pour taper cet email. J'ai l'impression de ma mère avec Internet. Et les téléphones et les SMS et les mails, ouais, c'est très drôle. Bref, c'est pas gentil. J'ai rien dit, c'est pas moi, c'est pas vrai. En gros, le truc con en Belgique, c'est que les Flamands sont racistes envers les Français. Genre, tu leur parles français, souvent ils comprennent, mais font genre de pas. Oui. Alors oui, ça je sais. De pas comprendre, donc tu vois le genre. Oui, je vois, je vois. Bah, pff, ouais. Bah, ça critique leur propre équipe. Ouais. Très bien. Ça part en débat. Et me faites pas des débats pourris, hein. Moi, j'aime tout le monde parce que pour moi, il n'y a pas. Voilà. Concrètement, quand on dit la plupart ou ceci, pour moi, je pense aux exceptions. Toujours. Je me dis toujours que non. Il y a forcément des gens qui sont pas pareils. Et moi, c'est ceux-là que j'aime. Voilà. Donc, zut. Moi, j'aime personne. Toi, je sais, Kino. Bah, faut bien faire un contrepoids avec moi, hein. Sinon, c'est pas drôle, hein. C'est sûr, il y a toujours. Ben moi, tu vois, je me dis, je sais qu'il y a des exceptions et je me fixe sur les exceptions. Ça vaut mieux. Parce que sinon, c'est triste. Voilà. Zut. J'ai peu de chances de trouver du travail, mais tu connais la situation. Ne t'inquiète pas pour ton père. Garde bien l'œil sur le ballon et rien ne pourra t'arrêter. Je suis fière de toi.
PS, embrasse Mikey pour moi. N'oublie pas que je passe le prendre pour l'emmener à la clinique demain. Ouais, c'est ça, nos parents avec Internet. Enfin, si vous êtes de ma génération, les parents avec Internet, c'est assez drôle. Ok. Bon. Bah, le papa a pas l'air horrible non plus. Mais après, visiblement, il doit être séparé de la Je maman sais, Kino, j'ai vu le vu. message de sa J'ai vu, mère j'ai qu'on vu. a trouvé avant. Je pense. On verra bien. On saura peut-être plus. Hop. Et on a tout lu. J'ai encore pas fait attention pour les chiffres. Bon. Donc, comme je disais. Juste avant de repasser devant l'ordi et de me dire que c'était quand même probablement une possibilité, on va aller regarder le cadenas et voir si ça a pris en compte tout ce que j'ai lu ou s'il faut que je mémorise et que je fasse des tests. Donc, d'accord, faut que je fasse des tests. Alors, c'est parti. En premier, calendrier. Ça me paraît un peu trop évident, mais. Petite pause. Alors, un truc con, c'est qu'avant, pendant la révolution industrielle, la Wallonie était plus riche que les Flamands, et ils ont partagé leur argent avec les Flamands, car de base, ils sont du même pays. Et au final, maintenant, c'est les Flamands les plus riches, et eux, bah, ils laissent les Wallons dans la merde. Ah, ouais, c'est pas... Ouais. Nice mentalité. Effectivement. Tu nous fais un petit point d'histoire, Azrox, c'est sympa. Je sais tout, car du coup, en étant en Belgique, j'ai eu cours d'histoire. Oui, j'imagine. C'est pour ça que je disais, tu nous fais un petit point histoire. Moi, ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse. Mais ouais, je vois l'idée. Je vois l'idée. I wonder exactly how important 516 is to Drew. Alors, on va faire 16,05. Franchement, ça m'étonnerait, mais bon. L'argent. Oui, enfin, Ça doit être un l'argent, peu c'est plus compliqué que souvent ça, je pense. un gros souci de Discord, Oui, effectivement. allez. Voilà. Donc, ce qui Ma est plutôt manette cool, fait ça c'est bien. quand t'es comme moi et que t'en as rien à foutre de l'argent, bah, ça fait un truc en moins avec lequel se prendre la tête. Voilà. Damn it. Wrong numbers. Je l'aurais parié. Hop, alors on teste, on fait des petits essais. Alors, un autre truc con, c'est que les gens de la politique en Belgique ne connaissent même pas leur propre hymne national et certains ont même chanté la Marseillaise. C'est vrai ça? 2009, le code, je suis sûr. Ah, tu verras, Coca. Ah, carrément. Tiens, bah, si tu connais bien l'histoire de la Belgique, une question que je me suis toujours posée. Ils ont fait quoi pendant les guerres, les Belges? Je ne sais absolument pas moi non plus, je t'avoue, Kino. Effectivement. Après, voilà, Discord n'a pas de soucis. Coucou Zatsune. Oui, sujet de Discord, pas sujet de Discord, le vocal textuel. De Discord, la Discord. Voyons, tu m'as compris, de toute façon, tu es sorti. Non mais c'est sérieux en plus, des frites. Non mais Coca, please. Non mais je me doute que tu poses une vraie question. Et est-ce que Asvrox a la réponse vu qu'il nous parlait des cours d'histoire? C'est vrai que c'est oui. C'est une bonne question. Après en vrai quoi qu'ils aient fait, je pense que maintenant c'est bien passé. Hein. Donc, mais par curiosité ouais je comprends. Certains se sont enfuis vers le nord et ont ouvert les barrages pour empêcher l'invasion des Allemands sur leurs terres et d'autres Belges ont fui en France. D'accord. D'accord. Bien. Père Azvrox, raconte-nous une histoire. Pas du tout. Ah, mais ils se sont fait envahir. Je vous lis en même temps, je relance, voir si je trouve mon code, voir si c'est 2009, Coca. La décharge où il y a les dates de naissance, probablement. Est-ce qu'il aurait eu Plenty of possible combinations here. la bêtise de juste mettre sa date de naissance? Donc, Drew, 3 avril 92. On teste 0304 et après on teste 0. On va tester. Ouais, qu'est-ce que je peux essayer d'autre? Il y avait 12-12 aussi. Clairement, je On peux te a dire une vraie d'avance, sur le. Je vais Coca, tester spoil, t'es pas 12-12, the 0304. Peut-être la date de naissance de son frère, Voilà. allez savoir. Vu qu'ils ont l'air quand même relativement proches hein, pour la chambre là, non. Alors, on va Hey, tester please. 12-12. Donc. Mince. Hop. Damn it. Non. Wrong numbers. 03.
Non, mais... Mais c'est ça, hein, Kino. Faut lui donner des cours, en fait, à Coca. 03... Qu'il puisse faire comme toi, après. 04... Damn it. C'est pas sa date de naissance. Numbers. Son frère, c'était 27... Il va te répondre que c'est le talent, Coca. Décembre, tu vas voir. Je repars trop loin. Mais... Ah, la déduction. Tu vois, je me suis trompée. Je pensais qu'il allait dire le talent, Coca, le talent. Damn it. Wrong number. Et aussi le talent. Je vais retourner voir le petit papier. J'ai testé leurs deux dates de naissance. Et là, je suis une quiche. Parce qu'en fait, je l'ai, hein, le code. Sur le calendrier. J'ai juste oublié un détail. Aussi sur le poster. 11, 20, 36. Toujours pas. Non, c'est pas ça, ni Coco. Non, non, mais je suis une quiche, hein. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure que je suis allée chercher. Sauf que j'ai omis quelque chose de très important. Non, mais là, après, c'est des combinaisons assez. Chloé ne parle pas français. C'est compliqué. Donc, si j'ai une date. La date de naissance de son père. Ah non, casse-toi, Jackie. J'ai pas pensé. Je mute deux secondes. Est-ce qu'elle y était ? Dans les personnes à contacter ? Non, il y avait que son numéro de téléphone. 3 avril, 27 décembre. Je cherche d'autres combinaisons à 4. Pas les derniers chiffres du numéro de téléphone. Ça m'étonnerait. Je me démuse, il recommence avec sa pétrolette l'autre soir. Bon, on va regarder le poster du coup. Et sinon, je vais regarder les mails et le comics alors. Mais le comics, c'est même pas lui, donc ça me paraît bizarre. Ça doit être ça, ouais, je pense, Azrox. Look at that. More numbers. Elle en dit rien de plus. Donc 11, 20, 36. Ouais, allez, mouline ton cerveau, tu vas comprendre au bout d'un moment, Letty. Alors, 11. Might actually need some help with this one. J'attends que ce soit terminé. Je sais pas si ça se déclenche obligatoirement, ça, ou si c'est moi qui ai fait trop d'essais. On va voir. Alors, on demande de l'aide. Ok, il est cool. Alors, il est prêt à manger. Oui, okay. Coca, c'est ce que j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, c'est logique. C'est quoi le plus important pour Drew? Attends, encore une fois. Question venue de nulle part, je sais pas. Elle ne parle pas français, quoi, Chloé. Le... Ah ben, 27-12, c'est chez nous, ça. Voilà le problème. En décembre le 27. Je vais mettre du temps avant de capter. Voilà, Nicoco, c'est ah, ça. J'ai fait 27-12. Mais est-ce que ce serait au format... Eh oui, Jamy. 27. On n'est pas en France. Ah. 1227. Worth a shot. Non, ouais, d'accord. Oh, je suis trop bête. Yes. This is kind of fun. Oh, merci Robert le camionneur derrière, hein, qui vous passait le bonjour, à coup de klaxon. Did little Drew beat you up too? Jackpot. Yo Robert. I'm kind of good at this. Okay. Got the money. Time to bust out of here. Ouais, juste un petit... Voilà, pour vérifier. Petite pause, alors. Un petit pavé de Azrox. Allez. J'ai déjà eu deux grosses questions existentielles et j'ai eu les réponses. Ma première, à quoi servent les boules rouges et blanches sur les câbles électriques le long des autoroutes? Et la deuxième, pourquoi y a-t-il la crise dans le monde alors que tous les jours, des machines impriment des billets? J'aime beaucoup tes questions existentielles. Alors, concrètement... je n'ai pas la réponse à la première. Et pour ce qui est de la deuxième, ce serait trop long à débattre, je pense, mais elle peut se trouver assez facilement. Voilà. Mais pour la première, du coup, ça m'intéresse d'avoir la réponse. Ça sert à quoi les boules rouges et blanches sur les câbles électriques le long des autoroutes? Raconte-nous tout, Asbrox. Tu me fais trop rire, en tout cas. J'aime assez. Ça me fait marrer. En effet, c'est très long, la deuxième. On est d'accord. Voilà, du coup, je fais l'impasse, en plus, voilà. Les boules, c'est pour les avions, non? Ah, bah peut-être Kino, du coup, je sais pas. Asbrox le sait, lui, apparemment, puisqu'il a eu la réponse aux deux.
À quoi sert ces boules? Ce soir, apprends des trucs avec Asvrox. Après les histoires d'Asvrox. C'est pour les avions et les parachutistes. Je te mets 10 sur 20 kilos. T'as tes vaches, il a une réponse sur deux. 10, c'est pas beaucoup, c'est juste la moyenne. Tu pourrais donner un petit peu plus, tu vois. Il était sur la bonne voie pour donner les deux. T'as, il est sévère, Azrox. Hein. Wow, ça rigole zéro, quoi. Bon, allez, je relance. 11 pour l'effort, très bien. Voilà, c'est pour ça, Kilo, j'essaie de grappiller des points. Moi aussi, je me doute, oui. Ajoutez-moi des points, s'il vous plaît, voilà. Franchement, Azrox. Sois pas rat, là, allez. Don oiseau, Kilo. Ouais, pour les oiseaux, effectivement. Pas du tout. Bon, allez, j'arrête mes bêtises, moi. Puis qu'il n'y a pas de nouveau truc. Oui, je suis trop bête. Moi, je rentre la date au format français, mais non, Je suis en trop fait. bête. Voilà. Il faut Wesh, fais réfléchir pas deux ta secondes. pute. Mais ouais, la piste Mikey, vous voyez, Ajoute des hein, vous points. pensez qu'il en est proche, c'était pas une erreur. J'ai juste fait du caca. Est-ce que j'ai réellement tout bien regardé? On peut pas le voir débarquer là. Je sens la grosse arnaque. Hein. Bien sûr, j'ai l'argent sur moi. Faut que je sorte avec forcément. Bon. Je sens la Ben, grosse on va y aller. arnaque. Hein. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y a pas de tag dans sa chambre. C'est étonnant, je trouve. Peut-être rejeter un petit Really, you coup should d'œil. get out of here before Drew comes back. Je vais rejeter un petit coup d'œil. Cas où. Il faut Regardez. que je Ouais, mais. tousse. Écoutez, après tout, ça aurait du sens, vu qu'on est censé ne pas être venu ici, faut pas qu'on le sache. Laisser un tag, ce serait pas très roleplay. Hey, Le retour du best Elvemon. t-shirt ever, Chloe? Kino. What are you doing here? Cool story, bro. J'en étais sûre. Qu'on allait croiser, moi, Drew, bien évidemment, à la sortie. Mais là, c'est le frangin. Je cherche Drew, pas de raison particulière. Alors, si je dis pas de raison Tu sais quoi? particulière, qu'est-ce que je fais là, du coup? Il faudrait qu'on trouve une version Cool Story 6. Tu le mets et moi je mets le cool story bro et comme ça quand tu me parles et que ça m'endort je te fais ça et que du coup quand je te parle et que je t'endors tu me fais ça. Alors toi tu vas me le faire tout le temps parce que je te connais et puis que je sais que je suis soporifique mais moi ça m'amuserait beaucoup. Un cool story 6 et cool story bro ce serait magique je trouve. Faut qu'on se trouve ça à Kino. Allez, je sens que ça existe en plus. Problème? C'est quoi le problème? Il n'y aura jamais ma taille. Oh, arrête! Mais si, il y a moyen. On cherchera. Arrête de dire ça, toi. Patate. Voilà. Et je cherche Drew, c'est On le fait crédit faire. zéro, hein, parce qu'en vrai, Comme ça, il y effectivement, aura ta normalement, on ne taille. se parle pas. Donc, je sais pas quoi répondre, sincèrement. Je cherche Drew, c'est pas crédible. C'est pas quelqu'un, voilà. Et pas de raison particulière, du coup, comment justifier Il qu'il est est dans trop sa gentil, chambre, quoi? Azrox. Ou alors, j'espère Trop que derrière, mignon. on peut lui dire qu'on était venu le voir lui. Bon, bah, pas de raison particulière. No reason, just Ouh, la menteuse. roaming the halls. Were you wanting Mais to play Kino, more t'es con, tabletop putain, games? mais. Bro, we gotta go. Yesterday wasn't Ah enough. yeah, les emmerdes You wanna commencent, go another youpi! round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff. Let's move. Drew, relax. Slow down. Shit. You're making me think you're nervous about something. Ok. Ça sent les embrouilles, mais pas comme je le pensais. C'est qui? Non, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe plutôt, ouais. Le c'est qui viendra avec. Drew, what's going on? Don't worry about it. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on?
Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit! I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough time. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is it? Please! Just give me 1 week. You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Fuck. Oh mon dieu. Putain, les salauds. Oh non. Il a dit quoi qu'il arrive, sortez pas. Alors est-ce qu'il y a une raison particulière? Mais là, il est en train de se faire tabasser, quoi. Et puis au pire, donner l'argent à Damon, ça revient à la même chose. C'est le pote de Frank. Donc au pire, si je lui donne à lui, c'est, je préviens Frank que c'est Damon qui l'a. C'était bien ça le but, non? Non. Bon, alors, il y a des... Ouais, ça, je m'en doutais, Asbrox, qu'il y avait des t-shirts Cool Story Bro, ça me ferait marrer d'en avoir un. Perso, j'ai fait B, Asbrox, ok. Ne sors pas, les petites filles. Pareil, B. Oui, toi, Kino, je me souvenais que t'avais fait B, hein, bien évidemment. Bah, vous allez voir, moi. Je vais forcément faire quelque chose, mais quoi? Là, c'est en grande... je sais pas, bon, à ce moment-là, je sais pas du tout quoi faire, en vrai. C'est... Je suis partagée, il te dit surtout sortez pas. Du coup, je me dis, je l'écoute lui, je sors pas, je le laisse se faire tabasser. Ou j'abrège ses souffrances, là. Je jette la manette. Ouais, non, mais tu sais, il y a des fois, il y a des choix, quand je les vois apparaître, j'ai tellement envie de bouffer la manette. Parce que je sais que ça va être horrible à choisir. Mais bon, souhaite. Oh, je peux pas le laisser se faire tabasser comme ça. Et en même temps, il... Ouais, il se doutait que ça allait partir en cacahuète, c'est pour ça qu'il a dit ça à l'intérieur, je pense. Ce choix de merde, non. Putain. Non, mais je vais pas le laisser se faire tabasser, c'est bon, allez. Non, quoi. Allez. Stop. It's okay. I've got your money. Après, en vrai, je regrette pas. Ah, I didn't realize we had an audience. Hey, Mikey. Okay. Who the hell are you? Frank sent me to collect. That's what Frank was going on about? Let's see the cash. We need that. It's all here. Mikey, you need to help your big brother. Help him understand that I take this shit seriously. Come on. Mikey's got nothing to do with this, man. You help your brother understand that if he steals from me again, I'm coming back here and I'm going to break his knees. Thanks, kid. Tell Frank I owe him one. We needed that money. You just screwed us over. Are you crazy? That guy could have killed you. You don't know anything about this situation. It's none of your business. J'adore le t-shirt de... C'est pas trop très à propos vu la situation, mais le Cool Story Bro sur le t-shirt de Mikey, assez énormissime. Je veux le même t-shirt, voilà. Ça, c'est dit. Oui, effectivement, j'avais pas pensé à ce détail. C'est vrai que, visiblement, ils ont l'air d'en avoir besoin de l'argent. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire tuer? Je suis pas convaincue. Voilà. Donc, pour le coup, je regrette pas. Ça, c'est festival ce soir, les couillons. Après, on va voir. Je faisais mon travail. J'essayais de vous aider. Si ça concerne Mikey, c'est mes affaires. Bah écoutez, j'ai... là, pour le coup, en donnant l'argent, j'essayais de vous aider.
Clairement. I was trying to help. Damon wasn't going to stop until he had that money. You think you're some kind of hero? Stepping in for poor Nathan Prescott? And now you're messing with our lives? Mikey, I gotta look at your arm. Just leave us alone. Putain. À la base, on m'envoie là pour aller le chercher, de toute façon, l'argent. Hein. Faut être réaliste. Hein. Je devais le ramener à Franck, donc quoi qu'il arrive, je lui aurais pas laissé. Je suis désolée, du coup. Mais même s'ils avaient besoin des sous, au moins ils sont vivants. Allez, zut. Non, mais... Look. I'm sorry. Sorry doesn't get our dad off the streets, does it? We'll be okay. Et fin de l'épisode 12. Alors, moi je l'avais refait et là j'avais mis X. Moi je suis restée avec Mikey et j'ai redonné l'argent à Drew. Ouais, toi je me souviens, Kino. Je me souviens. Alors toi, c'est vrai que... On peut pas encore... on va bientôt pouvoir en parler correctement. Ta version est bien, mais j'aime bien aussi la mienne et tu dois te douter pourquoi. On va pouvoir bientôt en parler. J'ai laissé faire. Toi aussi, t'es restée, Chloé, t'as écouté. Mais j'étais très tentée aussi de l'écouter, Drew. Il te dit bien, genre, tu vous sortez pas d'ici. Le problème, c'est que t'es derrière la porte, que le mec, tu sais pas de quoi il est capable et que tu l'entends se faire démolir. Moi, j'arrivais pas à rester derrière, en fait. Surtout que je savais qu'en donnant l'argent, ça calmerait le truc. Alors oui, ils en ont besoin et tout, mais... Enfin, voilà, quoi. Moi, j'ai pas réussi à rester derrière et à l'écouter. Je suis... Voilà. C'est comme ça. Je sais qu'il me dit de rester. C'est pour ça que j'hésite au début, Kino. Je suis pas sortie de cash pour l'aider, tu vois. Mais, ouais, enfin, bon, tu sais, le mec te dit de rester avec son frère derrière, tu restes avec son frère, tu me dis ça. Le mec vend surtout aussi de l'oxy pour se faire de l'argent pour aider le papa. Alors, certes, c'est pour quelque chose de bien, mais il vend de la drogue, il est peut-être dans des combines de fous, il risque sa vie, ça se trouve, tu sais pas de quoi il est capable, Damon. Hein, il est peut-être capable de le tuer réellement. Est-ce que, vraiment, j'ai à écouter les conseils de ce gars-là? Voilà, moi... J'ai pas aimé entendre les coups derrière, on l'entend se faire démolir, je suis sortie, je suis désolée, c'est comme ça. C'est peut-être, pour le coup, encore pire, irresponsable, et voilà. Il l'aurait pas tué. Mais parce que t'as fini le jeu, et entre guillemets, tu penses, voilà, ou tu le sais, tu dis ça, mais à ce moment-là, quand tu découvres, tu sais pas de quoi il est capable. Le mec, il est quand même dans le dortoir de l'école, et il se permet de lui tabasser la gueule dans le dortoir sans complexe aucun, que c'est en sait qu'il peut pas aller plus loin, quoi. Oui, c'est ça, Chloé, qui dit qu'il va pas le tuer une fois qu'il aura son argent. Rien, oui, c'est vrai aussi. Maintenant, je pensais que, histoire de calmer le jeu, ce qu'il voulait, c'était sa thune, il l'a assez répété, on l'entend derrière la porte, donc je me suis dit, normalement, si je lui donne l'argent, il va se calmer. Et puis moi, c'est ce que j'ai trouvé de... Je sais pas, moi, en mon âme et conscience, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, de sortir, de lui dire d'arrêter, de lui donner sa thune, et qu'il s'en aille, et qu'il le démolisse pas, tu vois. Maintenant... Oui, enfin, Kino, après, il serait rentré dans la chambre et il aurait essayé de la récupérer, tu vois. Mais après, oui, sur le principe, ok. Voilà, c'est ça, oui. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il n'est pas prévisible. Maintenant, il vient en réclamant la thune. Il vient pour ça. Donc, je me dis, si je lui donne ce pourquoi il est venu, en théorie, il devrait te foutre la paix, tu vois. Et preuve en est, certes, j'ai donné l'argent. Ils sont dégoûtés parce qu'ils en avaient besoin. Mais, accessoirement, il a arrêté de lui tabasser la gueule. Il aura foutu la paix et il est parti. Voilà. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, on sait pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est le choix que j'ai fait. Et au final, je vous dis, je le regrette pas. Concrètement, je le regrette pas, mais on en reparlera et je vous dirai pourquoi je le regrette pas plus tard. Voilà, voilà. Après, je comprends ceux qui sont restés, hein. Qui sont restés avec Mikey et qui l'ont écouté, hein. Y a aucun souci, je comprends complètement, parce que j'ai hésité moi-même à rester. Pendant un moment, je me suis dit, non, je vais l'écouter. Et puis, en fait, on entendait les coups derrière et c'est un des coups. J'ai fait, non, je peux pas, je reste pas, je sors de là et il arrête de faire ça. Voilà. Donc... C'est con, hein, mais bon, c'est comme ça, voilà. Soit. Après, voilà, on est encore au début, on n'en sait pas grand-chose de tout ça, c'est vrai que c'est... Ça passait ou ça cassait, hein, en vrai, j'aurais pu sortir, lui donner l'argent, et il aurait pu lui retabasser la gueule, hein. Mais bon,
J'ai testé ce que j'ai pensé qui allait fonctionner. Voilà. Messieurs, dames, bon, il est minuit et demi. Est-ce que vous êtes tentés, on s'en refait un ou vous êtes fatigués? Sinon, on se fait une petite pause, puis après, on s'en fait un petit deuxième, si vous voulez. Hop. En plus, j'aime bien ce qui se passe après, si je dis pas de bêtises. Je suis en train de réfléchir, mais... Moi, je suis chaud. Toi, t'es toujours chaud pour la suite des épisodes, je sais, Kino. Ah, attention, ne redis pas ça. La dernière fois que t'as dit ça, je t'ai prouvé que c'était pas vrai. Ouais, ouais, comme d'hab. Soit. Bien. Moi, chaume, ça se peut, je m'endormir. C'est pas grave, Asbrox. Je t'en voudrais pas. Je serais même très fière de moi si j'arrive à t'endormir. Voilà. Soit. Bah alors, du coup, on va faire une petite pause. On se fait une petite pause et on se fait un petit deuxième après. Je crois qu'il est un peu plus court que celui-là, non? Ou il fait la même durée? Ok. Voilà, je vous envoie une petite pause, je mets un peu de musique, et puis bah, moi je vais me reprendre à boire, pipi room, prendre l'air un petit peu, tout ça, et 5-10 minutes en gros, petite pause de 5-10 minutes, et puis on se retrouve après, on s'en fait un deuxième, walou. Allez, je vous dis à tout de suite, allez vous hydrater vous aussi, il faut.